Bonjour tout le monde. Alors oui, encore aujourd'hui, de la bidouille électronique. Alors vous reconnaissez notre réseau informatique donc de Martinequeu avec un pont Wi-Fi, donc NMEA for Wi-Fi, qui collecte toutes les infos NMEA et qui les distribue sur le Wi-Fi. Actuellement, tout ce qui est récupéré sur le réseau NMEA est retransféré sur le Wi-Fi, qu'on en ait besoin ou pas, quelque part, donc sur un des logiciels qui va écouter toutes ces infos. Donc peut-être qu'on encombre le réseau et la circulation pour rien, et peut-être qu'on pourrait être plus efficace en faisant donc ce qu'on appelle du filtrage et en le faisant dès le niveau du pont Wi-Fi. Alors même si on peut faire du filtrage sur OpenCPN, donc qui est notre utilisateur numéro 1 de ces informations, eh bien c'est quand même dommage de lui donner du travail de filtrage à faire alors qu'on aurait pu ne pas diffuser les informations qu'il va éliminer. Donc juste pour montrer, hein, dans OpenCPN, dans connexion, si tu vas sur ta connexion réseau et tu l'édites et que tu déploies donc en appuyant sur le petit plus, eh bien tu vas voir que tu peux faire du filtrage en entrée d'OpenCPN en acceptant seulement les phrases ou en ignorant les phrases, et tu vas pouvoir décrire donc la séquence que tu veux rejeter ou accepter. Toujours dans OpenCPN, donc tu as l'outil pour voir le flux donc NMEA, donc pour voir ce qui passe ou ce qui passe pas. Donc toujours dans la fenêtre des connexions, hein, tu as la petite case ouvrir la fenêtre montrant le flux NMEA, et là tu vois tout ce qui transite sur le réseau. Tu as un petit bouton pause qui te permet de prendre le temps de lire. Donc là, si on zoome, eh bien on voit qu'il n'y a que des dollars AP, donc ça vient du pilote auto. Donc je n'ai allumé que le pilote auto, et dedans il n'y a que deux types de messages. RSA, c'est l'angle de barre, et HDG, c'est l'orientation magnétique du bateau. Et donc ici, en fait, je m'en fous d'envoyer l'angle de barre sur le réseau, donc ça va me servir de premier exemple pour faire un filtrage. Donc on va refermer tout ça, et donc puisqu'on veut filtrer au niveau du pont, eh bien il va falloir se loguer sur le pont Wi-Fi. Donc on se logue sur le pont Wi-Fi. Dans la page d'accueil, en fait, vous avez un chapitre qui vous décrit comment faire le filtrage de phrases NME. Donc il faut créer une séquence. Donc la séquence de base, c'est 0. Si c'est 0, on laisse tout passer. Si c'est 1 qui commence donc notre phrase, eh bien ça veut dire qu'on veut être regardant. Si on met un R, donc ça veut dire qu'on va rejeter. Et ensuite on met 3 lettres de la phrase NMEA que l'on veut arrêter. Donc ici RSA. Je peux le faire dans l'autre sens. 1 parce que je veux être regardant. Et ensuite un A parce que je veux être. Je veux accepter, et derrière je vais mettre les 3 lettres pour décrire ce que je veux laisser passer. Et donc ici c'est le HDG, hein, qui m'intéresse en provenance du pilote Toto. Bon ben voilà, alors il faut aller mettre ça dans le pont Wi-Fi. Et donc comme le pilote il arrive donc en P4, c'est au niveau de la ligne P4 que je vais remplacer le 0 qui laisse tout passer par ce qui m'intéresse, donc ce que je viens de créer. Donc je reprends mon 1 pour dire je fais du filtrage, et je vais accepter HDG. Ensuite, il faut sauvegarder. Donc, on appuie sur 7. Et on peut retourner voir donc la fenêtre NMEA du flux NMEA de OpenCPN en ne laissant allumer que le pilote auto, et voir donc que l'on n'a plus que de l'HDG. Donc voilà, comme de pilote auto, il y avait que deux messages qui remontaient. Ben, je viens d'en supprimer la moitié.
Donc ça fait ça de moins en entrée et en lecture pour OpenCPN. Alors voilà, on va faire la même chose pour faire du filtrage dans le flux de l'ancien réseau B et G. Lorsque l'on regarde dans la fenêtre de traces NMEA d'OpenCPN, eh bien tout ce qui commence par $2i est en provenance en fait de l'ancien réseau BEG Network. Bon alors ici c'est un peu mélangé, il y a aussi du GPS, potentiellement aussi de l'AIS. Donc pour voir plus clair, eh bien au niveau du pont Wi-Fi, je vais fermer les ports qui correspondent donc à tout ce qui n'est pas l'ancien réseau BEG. Ainsi, je n'aurai plus que du $2i à l'écran, ça sera plus facile à lire. Donc je vais fermer P1 GPS, P2 AIS, et comme j'ai déjà éteint physiquement l'autopilote P4, bah, je m'en occupe pas, mais sinon j'aurais pu décocher également P4. Voilà, donc on va pouvoir retourner dans OpenCPN, regarder ce qui transite. Ou alors j'ai de la profondeur, j'ai du vent apparent, j'ai de la vitesse sur l'eau, j'ai de la température de l'eau, qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'ai aussi du HDM, donc de l'orientation du bateau, mais qui contient toujours zéro parce que en fait il n'y a pas d'instrument pour renseigner ça. On voit que HDM n'a pas la même couleur. En fait, il y a la couleur des messages qui sont filtrés et rejetés. Effectivement, si vous vous souvenez, au début, on avait vu que 2i HDM était dans le filtrage d'OpenCPN. Donc là, eh bien, on va faire la même chose au niveau du filtrage du pont. Donc, on va donc rejeter la mauvaise orientation du bateau et la température de l'eau qui ne nous intéresse pas. Donc 1 parce qu'on veut filtrer, R parce qu'on veut rejeter, et ensuite on va mettre nos deux phrases NMEA qu'il faut intercepter, c'est-à-dire donc le HDM et celui de la température, donc le M quoi? MTW, voilà. On va emmener ça dans le pont. Donc, copier-coller. Alors, dans le pont Wi-Fi, donc c'est sur la prise P3 qui est connectée le réseau BEG. Donc, je remets mon filtrage à ce niveau-là. Voilà, on sauvegarde et puis on va pouvoir regarder ce que ça fait. Et donc votre vue aiguisée vous permet de voir justement qu'il n'y a plus d'HDM ni de MTW. Alors l'HDM c'est peut-être plus facile à voir puisqu'il y avait une ligne de couleur différente. Donc là on a enlevé encore un peu de travail à OpenCPN. Vous pouvez voir également un bateau qui se déplace sur la Terre, hein, c'est un fantôme AIS puisqu'on a coupé les données AIS. Ben, OpenCPN, sur les dernières infos de ce bateau, continue à le faire avancer dans la direction qu'il avait. Alors je vais aussi profiter de cet instant bidouille pour enfin regarder ce que mon GPS traceur, qui fait aussi donc AIS, envoie réellement sur le port P1 et le port P2. Bon là, je ne garde que P1, c'est-à-dire les informations GPS. Et en fait, ben, il n'y a rien. Puisque là, on n'est pas en mode pause, hein. On est juste en mode transmission de P1 et on voit qu'il n'y a rien qui passe. Je m'attendais à voir tout ce qui était dollar GP et potentiellement sur P2 tout ce qui aurait été point d'exclamation AI, point d'exclamation AI, c'est-à-dire l'AIS. Bon alors on va faire le contraire, on va ne laisser ouvert que P2.
Donc l'entrée du flux NMEA-AIS. On enregistre et on va voir ce que ça donne. Eh bien, le dollar GP, donc tout ce qui est GPS et le point d'exclamation AI, tout ce qui est AIS sont présents. Donc, c'est pas la peine que je m'embête avec ma prise P1. Je pourrais enlever le câblage qui est dessus et ça me fait un P1 de libre pour une future aventure de bidouille électronique. Bon, alors je remets tout dans ce qui va être l'utilisation finale, P2, P3, P4 actif, vers UDP et P2, P3 qui sont envoyés vers le pilote auto en P5. Alors quand on vérifie, ça va pas parce que là je n'ai que du P2, donc à mon avis j'ai oublié de sauvegarder ma nouvelle configuration qui n'est donc pas active. Allez, on sauvegarde et on vérifie donc tout étant allumé dans les périphériques qu'on est bon. Alors déjà visuellement, le bateau est au bon endroit et on a le signal AIS et on a la bonne orientation, donc on reçoit aussi du pilote auto, tout est correct. Alors voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous sera profitable et à la prochaine si vous le voulez bien.